Permettez-moi de me présenter. Qing Licheng, cartographe impérial de sa glorieuse majesté Dao Guang, fils du ciel et maître incontesté du céleste empire. Don Esteban Parasol, gouverneur de Californie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre beau pays, seigneur Qing? Cette carte. Elle a appartenu au célèbre corsaire Francis Drake. Hein? C'était l'un des pires ennemis de l'Espagne. Ce maudit anglais a dû piller des douzaines de nos navires marchands. Alors voici l'occasion de prendre votre revanche. La carte indique où il a caché le trésor qu'il a amassé. Ici même, en Californie. Non. Le trésor de Drake. Il doit valoir une véritable fortune. La cachette en question doit se trouver ici, juste à l'extérieur de Los Angeles. Oh, un affreux bandit du nom de Zorro terrorise cette région. Il va vous falloir une escorte militaire et une lettre de recommandation pour le commandant Monasterio. J'adore ce pays. Il est tellement beau, paisible et harmonieux. Oui, Bernardo. C'est le meilleur endroit au monde pour se décontracter et ne rien faire. Diego! Bernardo! Je vais acheter des fournitures pour le ranch en ville et je vais avoir besoin de 2 solides paires de bras. Sur l'ordre de notre bien-aimé gouverneur, le seigneur Qing bénéficiera de toute l'aide nécessaire pour trouver la cachette du trésor perdu de Drake, Francis Drake. Et s'il le découvre, les habitants de Los Angeles ne paieront plus jamais d'impôts. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez déjà entendu parler d'un gouverneur qui renonce à prélever des impôts? Oui, c'est vrai. On peut toujours rêver. Fini les repas à la cantine. Je vais pouvoir ouvrir ma propre auberge, mon ami. Et moi, j'ouvrirai des tas de restaurants qui s'appelleront tous chez Carlos, de l'extrême sud de la Californie jusqu'au nord. Je dois m'emparer de ce trésor. Ben oui, ça se comprend. Vu que vous-même, vous avez été un célèbre pirate. Toutes mes félicitations, seigneur Qing. Vous avez fait une découverte extraordinaire. Oh, pardonnez-moi, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Don Diego de la Vega. Ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, seigneur de la Vega. Quel magnifique costume! Mais dites-moi, c'est de la soie. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, commandant. Je serai absolument enchanté de vous prêter main forte. Mais je n'ai pas besoin de votre aide, Don Malapensa. Détachez de rester hors des pattes de mes soldats, hein? C'est une mauvaise nouvelle, ça. La carte pourrait montrer l'emplacement de ma grotte secrète. Heureusement, elle est plutôt en mauvais état. Et en plus, beaucoup d'indications sont rédigées en chumash. Très peu de gens sont capables de déchiffrer leurs symboles, et certainement pas Monasterio, ni Qing. Drake s'est servi du langage chumash comme un code secret. Ce qui nous accorde un peu plus de temps. Je sais comment gâcher leur chasse au trésor. Messieurs, comment se déroule votre chasse au trésor? C'est si fascinant. Encore un petit peu plus à gauche. Plus à gauche. Qu'est-ce qu'il me dit? Plus à gauche. Je pense que le commandant a dit d'aller en direction de ce rocher. Moi, je ne crois pas que c'est ce que le commandant a dit. Je fais silence, taisez-vous, caporal. Je n'entends pas le commandant. Satané mouette. Je ne supporte pas ces oiseaux-là. L'or, je suis riche. Ce n'est que du cuivre, sergent. Et alors, je m'en fiche. J'ai découvert le trésor perdu de Drake. Sergent Garcia, triple cornichon. Ce n'est qu'une vieille épave inutile. S'il ne se trouve pas dans la baie, c'est que c'est forcément plus dans les terres, de ce côté-là. Autrement dit, dans votre ranch, Don Diego. Vraiment? Oh! Alors ça, c'est très amusant. Bravo, bravo, cher frère. Si c'est comme ça que tu comptais gâcher leur chasse au trésor, je trouve que ce n'est pas très efficace. Il paraît que le trésor de Drake se trouve sur les terres des De La Vega. Hein?
c'est un gigantesque trésor. Il y en aurait pour des millions et des millions de pesos. Il y a une véritable fortune en or, en rubis et en diamants. Non, c'est vrai. Vous pensez sincèrement que le fabuleux trésor de Drake est enterré sous une bouse de vache, sergent? Pas vraiment, mon commandant, mais je voulais juste vérifier. On ne sait jamais. Eh bien alors, sergent, je vois que vous avez encore fait une découverte tout à fait remarquable. Et odorante, qui plus est. Regardez-moi ça, nous sommes envahis de tous les côtés. Si nous les laissons creuser maintenant, nous nous en débarrasserons plus vite. J'ai invité le Seigneur King à venir s'installer dans notre hacienda. Ça nous évitera d'avoir encore plus de soldats sur notre propriété. En fait, non. Mes amis, voici la marmite de poisson épicé du Sichuan. C'est une des spécialités de mon pays. Ma pauvre enfant. Bois un petit verre d'eau, ma chérie. Ça vous plaît? Peut-être que ça manque un petit peu d'épices, non? Oui, ça va. C'est parfait. Ah oui, vous aimez? Tenez, il en reste encore plein. Oui, ce sont bien des symboles Chumash, la première langue parlée dans notre région. Mon épouse était une princesse Chumash. Ma fille Inès se fera un plaisir de traduire ses inscriptions. Vous parlez Chumash? Quelle chance inouïe! Je vais tout de suite chercher ma loupe. Regardez, c'est l'entrée de la grotte secrète. Mais bouge ton doigt enfin, je vois plus rien du tout. Nous avons un proverbe en Chine qui dit que quand le sage montre la lune, l'idiot du village, lui, ne voit que le doigt. Les symboles utilisés sont très anciens et particulièrement difficiles à déchiffrer. Vous voyez ces deux cercles-là? Ils indiquent sans doute qu'il y a de l'eau à cet endroit. Probablement une source. Vous ne pensez pas plutôt qu'il pourrait s'agir d'une grotte ou d'une caverne? Ça constituerait une excellente cachette. Vérifions s'il y en a sur la carte. C'est possible, oui. Mais entre nous, ce serait banal. Drake n'était pas un corsaire comme les autres, vous savez. Il a dû choisir quelque chose de plus original. Il existe un autre proverbe chinois qui dit « Peut-être que oui, peut-être que non ». Il est vraiment malin. Il ne sait toujours pas où se situe l'entrée de la grotte, mais tôt ou tard, il finira par la découvrir. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de trésor, parce que s'il y en avait un, on l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas comme si on pouvait lui dire. Le seul moyen de se débarrasser de ces chercheurs de trésors, c'est de leur donner ce qu'ils veulent. Mais oui, je sais. Offrons-leur un trésor. Bernardo a raison. Comment la carte de Qing pourrait les conduire à notre faux trésor? Ma pauvre tête. Je préfère les bagarres à l'épée. J'ai une idée. On n'a qu'à faire une autre carte. Du coup, elle conduira Qing à notre faux trésor. Il nous suffit d'échanger discrètement la sienne contre la nôtre et la tour est jouée. Serait, tu me voles les mots de la bouche. Beaucoup trop petit et il n'est même pas de la bonne couleur. Hé, hey, attends, c'est toi qui m'as dit de le dessiner comme ça. Comment ça, notre carte est trop nulle? Et d'abord, je te signale que c'est toi qui as eu cette idée de génie. Allez, nous n'avons plus beaucoup de temps, il va bientôt faire jour. Nous devons remettre la vraie carte à sa place. Tu dois t'emparer de cette carte par tous les moyens et tâche de ne pas te faire repérer, hein? Oui, chef. Ne vous inquiétez pas pour moi, patron. Ça, avec deux idiots comme vous, j'ai toujours raison de m'inquiéter. Oh, hein? Ah!
Donne-moi la carte, étranger. Hein? Je vais te faire ravaler ton sourire. Si tu veux éviter une bonne raclée, donne-moi la carte sans faire d'histoire. Navré de vous décevoir, monsieur le bandito. C'est Zoro. J'adore jouer à la bagarre. C'est Zoro le bandit. Vous permettez que je me joigne à vous, seigneuresse. Wow, impressionnant. Mais le vrai bandit est derrière vous, pas devant. C'est votre carte qui les attire comme des mouches. Bon, eh bien, puisque vous vous débrouillez parfaitement sans moi, je vous laisse. À la prochaine. Ya! On continue. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive à l'instant, j'ai vu toute la scène. Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Et la carte, vous avez toujours la carte. Mais cette carte au trésor attise bien les convoitises. Vous n'êtes pas en sécurité chez les Delavega. En revanche, ma caserne est de loin l'endroit le plus sûr de toute la région. Elle est remplie de soldats dévoués, corps et âme. Vous pouvez compter sur nous, commandant. Oui. Ah, je suis sûr que vous allez adorer ma spécialité. Des yeux de pieuvre macérés dans du jus d'algue. Vas-y. Ya! Ça sent le brûlé, sergent. Évidemment que ça sent le brûlé. Je vous rappelle qu'il y a un incendie en douille. Oh, je suis en feu. En feu. Oh, quelque chose. Plus vite que ça, au travail. Oh, la carte. Est-ce que je l'aurais laissée sur le bureau du commandant tout à l'heure quand l'incendie s'est déclaré? Je vais seulement changer quelques détails pour cacher l'entrée de la grotte secrète et les envoyer sur une fausse piste. Ils vont bientôt comprendre que ce n'était qu'une diversion. Fais vite et remets-la en place. J'ai dû laisser la carte dans votre bureau. Nous devrions aller la chercher tout de suite. Je ne comprends pas. Elle est coincée. Soldats, venez nous aider. Dépêchez-vous, bande d'incapables. Bonsoir, commandant. Zoro, pourquoi ne montrez-vous pas l'exemple, commandant? Vous voulez rentrer en douce à la caserne au lieu d'éteindre l'incendie? Je vous donne l'ordre d'ouvrir cette porte immédiatement et de vous rendre. Non, merci. Il est étonnant de constater qu'un bandit aussi dangereux que cet homme puisse entrer sans le moindre mal dans l'endroit le plus sûr de la région. Mmh.
mais il n'y a jamais eu d'incendie. C'était un piège, encore un sale tour signé Zorro. Ah ben, qu'est-ce qui va pas? Vous êtes enfermé dehors? Est-ce que Zorro est devenu le nouveau commandant? Non, parce que si c'était lui le nouveau commandant, il se serait déjà attrapé lui-même. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, sergent? À l'attaque! Lanciers, reprenez la caserne! On ne devrait pas leur dire qu'ils sont en train d'attaquer leur propre caserne? L'échelle! Vite! Glut! Coucou, je suis là! Allons, ne soyez pas timides! Non, 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 non! Raccrochez-vous! Oh, j'ai chaud! Donia Inès! C'est là-bas. Avancez de 6 pieds par là et creusez. Nous touchons but, excellence. La victoire est à portée de main. Je le savais. Je suis venu ici aussi vite que possible. Cette fois, ça y est, mon heure de gloire a enfin sonné. Youpi! J'ai trouvé le trésor de Trick. Je vous présente le trésor de Trek, votre excellence. C'est vraiment injuste. C'est vous qui avez fait tout le travail. Oh, c'est ça, le trésor de Trek. C'est une farce. Mais je comprends plus rien. Bah dis donc, il se lavait pas souvent les pieds sur Francis Drake. C'est l'une des bottes de notre père. Croyez-moi, il y aura des sanctions et d'une extrême sévérité. Vous êtes tous de corvée. Vous aussi bien que vos hommes. Il n'y a aucun trésor. Tant mieux. Au moins comme ça, personne ne l'aura. Ça va? Vous n'êtes pas trop déçus? Si ce cher commandant Monasterio n'avait pas été si pressé, j'aurais pris le temps de lui faire remarquer que le coffre que nous avons déterré était trop récent. Le véritable trésor a probablement disparu il y a longtemps, ce qui arrive très souvent. Hein? Acceptez ce flacon de mes épices secrètes. Vous pourrez vous aussi faire de la cuisine chinoise. C'est trop aimable à vous. Mon père sera enchanté. Il est sympathique, ce garçon. En plus, il sourit tout le temps. Mais ça, c'est beaucoup trop fort pour moi.